Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série sur les LP1 et leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, je vais vous parler finalement de l'architecture que peuvent avoir ces LP1 et qui est un petit peu différente de l'architecture que l'on a classiquement dans un système de communication type IP. En effet, la grosse différence dans un système de communication IP, on va dire un PC qui communique avec un serveur, on a une communication qui se fait directement entre le PC et le serveur. On ne passe pas par un intermédiaire, on passe par Internet, qui est le réseau qui va transporter l'information, mais il n'y a pas d'intermédiaire qui fait une sorte de proxy entre le client, votre PC, et le service serveur qui est derrière. Ce qui est complètement différent dans le monde des objets connectés, et en tout cas des LP1, où on a constamment un proxy. Un proxy qui va faire le lien entre le mode de communication qu'utilise l'objet connecté et puis le serveur derrière qui traite l'application. On peut illustrer ça avec des objets connectés hyper classiques type montre connectée ou bracelet Fitbit ou ce genre de choses qui communiquent avec leur propre protocole de communication vers un téléphone mobile. Téléphone mobile qui sert de proxy et qui lui va communiquer derrière avec le serveur qui traite les informations et qui va permettre de vous remonter les reports, ainsi de suite. Alors, dans les LP1, on retrouve la même chose, c'est-à-dire on retrouve un objet, ou par exemple un objet comme celui-ci, qui va communiquer en utilisant le protocole de communication que va être Sigfox ou que vont être LoRa. Ce protocole va être capté par des antennes du réseau, donc qui fonctionnent, si j'illustre, avec mon Fitbit de la même façon que mon téléphone portable, sauf que là, l'avantage, c'est que les antennes réseau sont partout, qu'il y en a plein, et qu'on n'a pas besoin de les traîner dans sa poche. Voilà. Ces antennes vont capter le signal, et ces antennes vont l'envoyer sur ce que l'on appelle un cœur de réseau. Donc un cœur de réseau, c'est une infrastructure qui est gérée par l'opérateur, donc qui peut être Sigfox ou un opérateur télécom quand il s'agit de LoRaWAN, qui vont décoder l'information, c'est-à-dire transformer le message qui a été reçu en une information qui est intelligible, par exemple si elle a été cryptée, elle va être décryptée à ce moment-là, qui va rajouter des métadatas sur cette information, par exemple indiquer l'heure à laquelle elle a été reçue, par exemple indiquer la position approximative ou plus ou moins précise de l'objet lorsque il a émis son message, et la qualité de réception, par exemple, des différentes antennes, qui vont permettre de savoir si ça fonctionne bien. Donc on va avoir un ensemble d'informations composées du message envoyé par l'objet, enrichi des informations de métadonnées qui sont apportées par le cœur de réseau, et ces informations-là vont être poussées vers un serveur applicatif. Ce back-end va pousser l'information vers le serveur applicatif qui, lui, va décoder cette information, cette donnée brute qui avait été envoyée par notre device, pour la transformer en une géolocalisation, par exemple, dans l'exemple de cet objet-là, mais qui pourrait être aussi une température dans un autre objet, une présence ou une autre information. C'est-à-dire c'est bien le serveur applicatif du fournisseur, du fabricant de l'objet, qui, lui, va transcrire la donnée en une information pertinente et intéressante pour l'utilisateur final. Ce serveur applicatif lui-même peut être composé d'un back-end qui va traiter cette donnée, qui va la stocker dans une base de données, et d'un front-end qui peut être utilisé par l'utilisateur final pour pouvoir recevoir l'information qui a été communiquée par ses objets. Ce front-end peut aussi avoir une déclinaison mobile avec une application mobile qui, dans ce cas-là, permettra d'accéder aux informations depuis son smartphone. J'ai parlé des cœurs de réseau publics, j'ai évoqué le cœur de réseau de Sigfox pour ce LP1-là, j'ai évoqué les opérateurs télécoms dans le cas de LoRaWAN. Sachez que vous pouvez aussi avoir un réseau privé, et quand vous avez un réseau privé, c'est-à-dire que vous avez vous-même installé votre parc d'antenne, vous pouvez aussi vous-même avoir votre propre cœur de réseau. Donc ça, c'est possible uniquement sur LoRaWAN, puisque la technologie le permet. Et pour un cœur de réseau privé, vous avez plusieurs solutions. Soit vous fabriquez le vôtre, soit vous utilisez des cœurs de réseau que vous pouvez « louer » entre guillemets sous forme de « software as a service ». Donc là, vous en avez un certain nombre qui existent. Soit vous avez un cœur de réseau assez intéressant, parce que complètement gratuit et open source, qui est « The Things Network ». Voilà, donc sachez qu'au niveau des choix des cœurs de réseau, on en a tout un paquet qui existe selon les technologies, mais sachez surtout que leur fonctionnement est le même dans tous les cas. Voilà.
Alors, pour illustrer le fonctionnement des cœurs de réseau, je vais vous présenter deux backends, le backend de Sigfox d'une part et puis le backend de The Sig Network sur du LoRaWAN. Donc, côté Sigfox, on va avoir un backend qui nous permet de visualiser assez facilement les messages qui sont reçus du device. Mais avant tout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rôle d'un backend dans le cœur de réseau, c'est aussi de faire tout ce qui est device management. Donc, c'est au travers de cette interface-là ou de ces API potentiellement qu'on va pouvoir enregistrer des nouveaux devices. Et c'est par ce biais-là que le réseau va savoir que le device, par exemple ici le B92D5, est un device qui m'appartient et que donc les messages qui sont reçus par le réseau à cette adresse-là, en fait, eh bien, sont des messages qu'il faut renvoyer sur mes serveurs à moi. Donc cette partie attribution des devices, on ne va pas la voir aujourd'hui. Elle est associée sur Sigfox à une partie billing qui permet bien sûr de gérer le lien avec les abonnements. Donc ça c'est très important comme notion sur la partie back-end. Mais là ce qui va nous intéresser c'est de regarder ce qui se passe au niveau des messages. Donc on voit sur le back-end qu'on voit l'historique de mes messages. Et si je fais un clic là sur un petit device qui est un Sensit, je vais avoir un message qui va maintenant apparaître. Voilà, donc vous voyez un nouveau message qui est arrivé, qui est apparu. On voit que ce message a été capté par une antenne. Donc ici, la 0DC0 avec une réception à moins 118 dB. Donc cette antenne-là a reçu le message, on a l'information tout de suite et on va voir par la suite, voilà, la liste des autres antennes qui vont avoir reçu le message et qui permet donc d'avoir plus d'infos. On voit que celle qui a reçu le message en premier, pas forcément celle qui avait la meilleure qualité, d'accord? C'est celle qui a traité le plus rapidement possible le message. Donc une fois que le message est arrivé, là le message il est présent sur le cœur de réseau. Il est présent, il est stocké dans le back-end de Sigfox. Donc maintenant ce message-là, pour que l'application que je veux réaliser traite ce message, il va falloir transférer cette data vers mon serveur applicatif. Et ça se fait au travers d'un device type. Donc le device type, c'est un ensemble de devices qui font partie de la même famille, qui ont la même application et auxquels on va assigner le même callback. Donc les callbacks, on va les voir par exemple ici. Alors je vais revenir sur mon callback. On va même. Ouais, on va repartir sur celui-là, pas de problème. Donc on va voir ici des callbacks. On peut faire un nouveau callback. On va voir qu'on a le choix entre des callbacks qui sont déjà prédéfinis, préconfigurés sur Azure ou sur AWS. Sinon, on va pouvoir faire un custom callback. Donc, c'est ce que j'ai créé pour l'exemple quand on a un serveur voilà, que l'on souhaite gérer soi-même. Donc, sur le callback, on va retrouver une URL. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'un message va arriver sur le cœur de réseau, eh bien, il va être, pour ce device type, hein, il va être transmis à cette URL-là. Donc l'URL, elle est en GET. On a une adresse de serveur, un script qui traite cet appel. Et puis derrière, on va trouver des paramètres, puisqu'on est en GET. Donc on va trouver la data. Donc ça, c'est la valeur que j'ai reçue. Et puis, par exemple, le device ID. Alors, en fait, on va avoir tout un ensemble de métadonnées que l'on peut ajouter à cet appel. On va pouvoir avoir l'heure, on pourra savoir si il y a plusieurs stations qui l'ont reçu. On va savoir quelle est la qualité de la réception. On va pouvoir savoir à quelques centaines de kilomètres près la latitude et la longitude. Voilà. Et puis on va avoir d'autres informations un peu plus techniques comme le numéro de séquence, si c'est un acquittement, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est des champs qu'on va pouvoir ajouter à la suite de l'URL en fonction de nos différents besoins. On peut aussi faire un peu de pré-traitement du payload, c'est-à-dire des datas, de façon à extraire une forme particulière, un format particulier, par exemple constituer un JSON. C'est très très basique sur Sigfox, mais potentiellement on peut faire ça avec le custom payload. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc une fois que on a rentré ce callback, en fait, ce qui va se passer si on retourne sur notre message, au moment où je vais renvoyer un nouveau message depuis mon device, donc on va voir une nouvelle ligne qui va apparaître sur notre backend, voilà, et on voit ici un callback. Donc là, le callback, il est en erreur, tout simplement parce que demo.monserveur.org n'existe pas, d'accord? Mais on voit l'appel qui a été effectué, et on voit donc l'appel au callback que j'ai indiqué avec
un champ data qui contient les data qui ont bien été envoyées par mon device, et puis mon device ID qui correspond à mon device ici. Donc on voit le remplacement qui a été fait et l'appel au serveur qui a été fait. Voilà grosso modo pour le fonctionnement du cœur de réseau Sigfox sur cet aspect message. On peut regarder un autre cœur de réseau et je vais vous présenter celui de The Sync Network. Donc The Sync Network, c'est une initiative d'un cœur de réseau pour LoRaWAN qui est open source. Donc l'ensemble de ce qui est sur The Sync Network peut être refait chez vous, mais surtout qui permet gratuitement en fait de faire communiquer des objets en LoRaWAN sur ce réseau qui est un réseau partagé. Donc The Sync Network a une console. Sur cette console, on va avoir une partie qui concerne les devices, où là aussi on va pouvoir ajouter des devices, et c'est bien la force du système que de pouvoir ajouter ces devices tranquillement. Donc là j'ai un device d'exemple. Ce device-là, ben, c'est un device hop, qui va transmettre de la donnée. Donc là il fait quelque chose de très très bête en fait, hein. C'est que toutes les 30 secondes, en fait, il va envoyer une nouvelle donnée. Et les données, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc vraiment le truc basique de chez Basic. Si je traîne un petit peu en racontant ma vie, on devrait en voir arriver un autre. Voilà, il y en a un autre qui vient d'arriver. Donc toutes les 30 secondes, on a un nouveau message qui arrive. Donc là, c'est assez similaire à ce qu'on a vu précédemment. D'accord? Un message qui arrive. Par contre, il y a toute une partie post-traitement de la data qui est assez intéressante. C'est-à-dire que si je reviens sur l'équivalent de mon device type ici, je vais avoir une payload fonction. Et cette payload fonction, elle permet en JavaScript de traiter les données qui ont été reçues. Donc là, c'est assez puissant comme système, d'autant qu'on a trois payload fonctions qui vont s'enchaîner. Donc là, si je prends la première, elle est là pour faire du décodage. Donc elle va prendre le tableau d'octets, la byte, qui a été reçue du réseau, et elle va traiter ce tableau d'octets. Donc moi, j'ai fait un choix hein, très très bête pour le test, de dire la première valeur, le premier octet, je le mets dans value 1, le troisième octet, byte de 2, je le mets dans value 2, et puis le deuxième octet, donc byte de 1, bah, lui, en fait, je le décompose en un tableau de bits. Voilà. Donc c'est le choix pour mon test. Donc ça c'est une conversion et vous voyez je génère un objet qui s'appelle decoded et donc qui est un objet JavaScript que je vais pouvoir facilement traiter et convertir aussi en JSON bien sûr à la fin. Je peux utiliser une fonction de conversion derrière qui reçoit decoded. Cette fonction là ben, elle va pouvoir transformer la data par exemple en faisant une conversion de degrés Celsius en Fahrenheit ou de décidegrés en degrés, enfin voilà, on va avoir ici une conversion qui va être faite si on le souhaite. Et puis troisième point super intéressant, c'est un validateur qui va permettre de vérifier si les données une fois décodées converties, elles ont du sens et si elles doivent être transmises au backend ou si potentiellement elles peuvent être éliminées. Ça c'est intéressant si par exemple vous faites de la géolocalisation. Bah, des fois, quand votre GPS n'a pas réussi à se positionner, il va vous renvoyer une coordonnée 0,0. Donc là, vous vous retrouvez sur l'équateur au milieu de l'océan. Donc ce n'est pas très utile d'aller stocker ça en base de données. Et plutôt que remonter ça sur votre back-end pour qu'il le stocke ou pas, et bah, à la limite, autant l'éliminer directement au niveau du cœur de réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la fonction validator. Donc ça, c'est plutôt assez sympa comme fonctionnalité, d'autant qu'on peut faire un test en temps réel en mettant une payload et en voyant ce que ça donne. Si je fais le test, je peux lancer un test et on va voir ici directement s'afficher le résultat sous la forme d'un objet JSON. Donc ça permet de faire des tests assez simplement et c'est plutôt efficace. Donc un très beau back-end de ce côté-là. On a le décodage. Donc si je reviens dans mon objet, on va le voir. Hop, je reprends mon device. Donc dans ce device-là, hop, je vais dans mes data. Et dans mes data, je peux voir que non seulement j'ai le data que j'ai reçu, mais j'ai bien ici le décodage dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut étendre ça. Voilà. Et donc on voit notre payload. On voit la transformation de la payload. Voilà. Et puis on voit toutes les métadatas associées. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que bah, du fait que ce soit un réseau qui est communautaire, bah, du coup, il n'y a rien qui soit privé. Donc on a toutes les informations, entre autres sur la position géographique des gateways, puisqu'elles sont publiques. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de positionner notre objet si lui-même n'a pas de positionnement GPS.
Donc là, s'il y a plusieurs gateways, on aura une liste de gateways et on va voir toutes les informations. Donc ça, c'est bien parce que des informations de metadata sont en général sur les réseaux privés beaucoup moins riches que celles-ci, entre autres en ce qui concerne la position des gateways qui est soit inexistante, soit très approximative. Voilà. Donc quelque chose de riche et toute cette information-là, bah, en fait, on va pouvoir la transmettre au back-end applicatif. Mais vous voyez, l'information est plus riche que ce qu'on avait tout à l'heure, hein, donc là, ça va être difficile de passer tout ça sur un get. Donc on va fonctionner légèrement différemment. On va créer un intégrateur. Et donc si on veut faire un intégrateur, on peut faire un intégrateur de type HTTP qui correspond à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va mettre une URL. Je vais reprendre comme tout à l'heure, demo.monserveur.org slash callback. Voilà, call.php. Voilà, peu importe. Et cette fois, on va être sur un poste. Et en fait, dans le poste, eh ben, le corps, pardon, du message, du poste, va contenir le JSON qu'on a vu précédemment avec à la fois la valeur décodée et à la fois l'ensemble des métadonnées. Alors, petit plus au niveau des intégrations, on voit qu'on gère de l'intégration de type stockage et puis on peut gérer aussi du IFTTT. Voilà. Je ne vous parlerai pas de Cayenne parce que je ne connais pas pour l'instant. Voilà, mais vous voyez qu'on a quelque chose de voilà, d'assez ouvert aussi au niveau intégration derrière. Alors, voilà pour la présentation de ce qu'est un cœur de réseau, de l'architecture globale qu'on va trouver sur des LPWAN, avec cette particularité que cette architecture, ben, elle a besoin d'un point de concentration, comme on l'a vu au départ. Ce point de concentration, c'est le cœur de réseau. Et ce cœur de réseau, derrière, a des fonctionnalités de device management et de captation de la donnée, de décodage et ensuite de transfert de cette donnée vers le back-end applicatif pour être traité et présenté à l'utilisateur. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur les LPWAN dans cette mini-série. Je vous invite à continuer à suivre la chaîne où de nouveaux épisodes arrivent bientôt ou à me retrouver sur le site www.disque91.com avec tout un tas d'informations complémentaires sur les LPWAN. En attendant, je vous dis à bientôt et restez connectés.